Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, une nouvelle vidéo tuto pour savoir où trouver et où farmer certains matériaux. Donc dans cette vidéo, pour une fois, il y en aura deux. Il va y avoir l'arcnite, qui est super important pour pouvoir faire... je crois que c'est le stadium après en lingot. Et on va également avoir la mordénite, qui est également super importante. Donc moi, mon point de farm, il est plutôt simple. J'en ai pas cherché 50 en fait, dès que j'ai trouvé le premier, je vais dans les ruines du début. Je veux dire, tout le monde y a accès. Par contre, il faut le bâton explosif. D'ailleurs, je vais m'en équiper. Donc pourquoi je viens là? Parce que les monstres ne m'attaquent pas. Donc en 2-2, je peux récupérer ce que j'ai besoin pour l'aventure. Et donc, vous partez vers le milieu, on va dire, du temple, même si on n'est pas réellement encore dans le temple. Et voilà. Donc, vous vous retrouvez avec ces colonnes. Ces colonnes, c'est là où vous avez la mort d'Enite. Et vous voyez, vous en avez une, deux. Bon, celle-là, je vais pas la prendre parce que sinon, ça va attaquer le monstre, mais ça fait trois. Là, vous en avez une quatrième et une cinquième. Donc je vous laisse imaginer le nombre en quantité que vous pouvez récupérer en 2 secondes. Et ensuite, vous avez ces gros rochers qui contiennent du coup l'arcnite. Donc pareil, avec le bâton. Vous en avez donc une ici. Une là. Et c'est pas fini, surtout ne partez pas du temple parce qu'il y en a deux de plus tout au fond là-bas à récupérer. Et du coup, vous faites ça plusieurs fois et du coup, bah, vous récupérez un maximum de matériaux. Sans avoir les monstres qui vont vous casser les pieds, entre guillemets, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et vous abonner. Moi, je vous dis à très vite. Bye bye.